Good morgen, allez, idan, les sutras aujourd'hui, le Nishmat Chayester, Bat Myriam, ainsi que l'Irfot, le Vieux Nishmat Ben Chayester, Hamshat Myriam, Bat Ozelena, Bilmin Ben Chabiba, et Esther Beila, Bat Chaya, Verda, Tzipora, Betor, Char, Chole Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dès une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maseret Erovin, Perikyud, Mishna Zain, Bor, Birchut, Harabim, Vechuliato, Gvoha, Asara, Tfachim, Chalon, She'al Gabav, Memalin Emenu Beshabbat. Ashpa birshut harabim, gvoa asarat fachim, chalon shal gabav, shofchin letocha maim beshabbat. On continue dans ce chapitre à parler de toutes différentes situations où je suis dans le reshut hayachid et je veux agir dans le, éventuellement, reshut harabim, et agir à l'extérieur de la maison. En fait, on a évoqué toutes sortes de situations, boire en dehors de chez soi, c'est-à-dire, je suis chez moi, je bois à l'extérieur. On a évoqué le fait de cracher par la fenêtre, c'est aussi interdit. Et puis à présent, on va découvrir quelque chose de nouveau. C'est bor birshut harabim. On veut puiser de l'eau pendant Shabbat, en fait. D'accord? Et on a un bor birshut harabim. Il y a un puits qui se trouve dans le birshut harabim. Et bien évidemment, c'est pas précisé. Non, c'est précisé ensuite. Alors, je continue d'abord avec le puits. D'abord, j'explique le trajet traduit tel qu'il est là. On expliquera pourquoi il a fallu donner ces conditions. Il y a un puits qui est creusé dans le birshut harabim, sur la voie publique, à proximité du mur de ma maison, en fait. Et il a un rebord haut de 10 tefach. Alors la Mishnah m'enseigne que Chalon Shal Gabav Memalin Emenu Beshabbat. La fenêtre qui est au-dessus de ce bord, eh bien on a le droit de remplir de l'eau, de puiser de l'eau Shabbat. C'est-à-dire, moi j'habite à l'étage, et quand j'ai soif, alors je sors mon puits et je le fais descendre avec une ficelle, je remplis de l'eau et je remonte à la maison. Eh bien la Mishnah m'enseigne, sache que si le reshut, si le puits, il est creusé, et il y a un... Y a, alors littéralement, la Mishnah me dit juste, il y a le puits, il y a la maison, et il y a autour du puits un rebord qui est haut de 10 tefach. En fait, on explique la problématique d'abord, que la Mishnah résout et qu'on va plus détailler ensuite. La problématique, elle est comme ça. Il y avait un interdit qu'on apprenait dans Shabbat, dans le Perek HaZorek, un interdit de porter du Reshut HaYachid. Au Reshut HaYachid, en partant par le Reshut HaRabim. Ça vous dit quelque chose? Dans le Perek HaZorek, on avait parlé de balcon. Si j'ai un balcon... et qu'il y a devant moi un autre balcon encore, et qu'il y a au milieu, c'est le reshut harabim qui nous sépare entre les deux, même si on est très haut, le fait de faire passer d'un à l'autre, il y a un interdit de la Torah même, dans un cas pareil, c'est l'interdit de Moshit. On ne va pas rentrer dans ce sujet concrètement, mais en tout cas, mirshut hayachid, derrière reshut harabim, on n'a pas le droit de tendre. De ce fait, là, c'est la problématique. Ma maison, c'est le reshut hayachid. Là, le puits, il est aussi considéré comme un reshut hayachid. Pourquoi? Parce qu'il est large de 4 tefachim, et il a une hauteur plus que 10 tefach. Donc, lui-même, il a un reshut hayachid. La question, elle est de savoir, qu'est-ce qu'on a entre le puits et le mur de la maison? D'accord? Premièrement, même on va dire ce qui n'est pas écrit dans le Mishnah, quelque chose de beaucoup plus évident. Si on a un rebord qui est haut de 10 tefach, et qui est large de 4 tefach, le rebord lui-même, il a un statut de reshut hayachid. Alors là, c'est sûr que tu peux sortir ton seau, épuisé de là-bas, et tu rentres parce que tu es dans le Reshut HaYachid, et tu passes au-dessus du Reshut HaYachid, tu rentres ton seau dans le Reshut HaYachid, il n'y a aucun problème. La Mishnah, elle m'enseigne même pas ce cas-là, tellement que c'est évident. La Mishnah, elle parle d'un autre cas. Elle parle d'un cas plus délicat, où il y a un rebord qui n'est pas large de 4 tefach. Dans ce cas-là, c'est large de 4 tefach, il a un statut de Makom Ptur, et la Mishnah me dit justement, du Reshut HaYachid au Reshut HaYachid, en passant par l'espace au-dessus du Makom Ptur, c'est aussi permis. À la différence du cas où le rebord était moins haut, n'était plus haut de 10 tefach, il était moins que 10 tefach. Dans ce cas-là, le rebord lui-même, il prend un statut de reshut harabim. S'il n'est pas large de 4 tefach, il est haut de 9 tefach par exemple, ou bien s'il n'y a pas de rebord du tout, alors là c'est mieux. Il y a un petit endroit où on réussit à passer entre le puits qui est creusé par terre, et il y a le mur. Et au milieu, on peut marcher entre les deux. S'il a une largeur par exemple de 4 tefach, par exemple, il s'avère qu'on a le reshut harabim qui est là. Là, ça devient interdit. Mais même mieux que ça, même si on a un petit rebord qui n'est pas large de 4 tefach, s'il est haut de 9 tefach par exemple, il prend aussi un statut de reshut harabim, on n'aura plus le droit de passer au-dessus pour puiser. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Et on découvre encore une autre situation encore. Ashpa birshut harabim. Lui, alors cette fois-ci, c'est pas qu'il a la chance d'avoir un puits, c'est qu'il a au contraire la décharge publique qui est sous sa fenêtre. C'est désagréable, ça diffuse des odeurs des nauséabondes, c'est vrai. Mais c'est au moins l'avantage. Quand vous buvez, vous en avez marre, vous jetez par la fenêtre, d'accord? Donc là, c'est ce qui se passe. Ashpa birshut harabim, la poubelle, la décharge, birshut harabim qui est dans le domaine public, elle est gavoa à Asarat Tefachim maintenant. Ça a tellement été entassé que ça a atteint une hauteur de 10 tefach ou encore. Il y a un mur qui l'entoure haut de 10 tefach,
Non, il n'y a pas de mur. C'est nécessaire pour expliquer les comprendre le Bar Tanoura. Il n'y a pas de mur. Elle est haute. On a entassé, on a jeté des poubelles, des déchets, des détritus. Maintenant, elle est devenue haute de 10 stéphars. Eh bien, la Mishnah me dit, Chalon Shal Gabav, la fenêtre qui est au-dessus, Shofrin Netocha Maim Beshabbat, on aura le droit de verser de l'eau de là-bas pendant Shabbat. Ça veut dire, on parle de Meshficha, de l'eau qu'on utilisait pour se débarbouiller, pour se nettoyer. Et puis après qu'on avait fini, on fallait s'en débarrasser. Alors que si vous, la Mishnah me dit, t'as le droit de verser aussi sur la poubelle, sur la décharge qui est posée dans le Rishout Arabim. Pourquoi? Parce que cette poubelle, maintenant, puisqu'elle atteint une hauteur haute de 10 stéphars, t'as entassé tellement de poubelles que maintenant elle est haute de 10 stéphars, donc elle n'est plus dans le Rishout Arabim, elle est même devenue un Rishout Ayachid. Elle est devenue haute de 10 stéphars, et c'est-à-dire que tu fais passer de ta fenêtre sur quelque chose qui est haute de 10 stéphars, c'est bien le Rishout Ayachid, sans aucune interruption, t'auras le droit de le faire. Précision super importante du Bar Tanoura, c'est qu'on parle d'une décharge publique, que on ne la retire pas quand ça nous prend. Il y a des moments précis dans l'année, je ne sais pas exactement, des moments précis où on va débarrasser cette décharge. À la différence que si c'est une décharge privée d'un propriétaire, de quelqu'un qui a entassé là-bas des poubelles, pour X temps, et justement c'est X temps, c'est une vraie inconnue. Alors il est possible que finalement, à un moment, ça va lui prendre de vouloir la débarrasser. Et moi, je ne vais pas savoir, et je vais renverser comme ça mon verre, en fait, je vais tomber dans le jus d'arabim, je vais le renverser dans le jus d'arabim. Donc je n'aurai plus le droit de le faire. Du coup, la Mishnah me dit, la caméra précise, c'est le partenaire qui le rapporte, on parle que d'une décharge qui appartient au public, que ça ne peut pas nous prendre de la débarrasser quand on veut. Par contre, si c'est une décharge privée, que c'est possible qu'elle a été débarrassée, tu n'auras pas le droit de verser sans t'assurer qu'elle est encore là, en regardant au moins par la fenêtre. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.